Tirana est la dernière capitale qui accueille la conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée en 2019. Occasion pour le Gabon de solliciter l'adhésion en qualité de membre. Et à l'examen donc de notre candidature, le comité exécutif de cette institution, de cette organisation, a donc répondu favorablement à nos institutions en qualité désormais de membre de cette organisation internationale. Organisée sous le thème de la convergence et la connectivité en vue d'élever les normes mondiales de protection des données à l'ère numérique, ce forum mondial, le plus important des experts de la protection des données, a permis aux spécialistes de débattre de l'intérêt de poursuivre l'élaboration de normes communes et de travailler sur l'interopérabilité des lois. C'est un atout pour notre pays parce que d'abord c'est un lieu du donner et du recevoir. Il y a des échanges d'expériences. Je vais d'abord féliciter le Gabon pour son adhésion à la conférence internationale, car son adhésion vient agrandir la famille africaine d'abord présente à cette conférence. Ça vient augmenter la voix africaine et également agrandir la famille des autorités de protection des données à caractère personnel à cette conférence. Tribune mondiale pour les autorités de protection des données, la conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée regroupe les efforts d'environ 110 autorités de protection des données et de la vie privée du monde entier.